Saxi Saxo, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 4 grandes erreurs que la plupart des débutants font quand il n'y a plus de son sur le saxophone. Pourquoi il n'y a plus de son sur le saxophone? Alors, la première chose, c'est la position de l'ange, tu vois. Là, j'ai mis exprès mon ange très loin du bec, tu vois. Et là, j'essaie de souffler. Tu vois, ça ne marche pas. Elle est trop loin du bord, tu vois. Il faut que je la rapproche du bord le plus près possible. Voilà, je rapproche du bord le plus près possible. Évidemment, là, je resserre les vis, la ligature. Et là, tu vois, mon hanche, elle est à peu près à 1 mm du bord. Et là, je peux sortir un son. Donc là, ça sort un son, tu vois. Le truc qui peut arriver aussi, c'est le contraire, c'est de mettre son hanche trop haute, comme ça, tu vois, trop haute. Beaucoup trop haute. Et là, tu peux toujours y aller. Ça sort rien. D'accord? Bon, déjà, ça fait trois choses. Pourquoi ça sort pas le son, hein? Pourquoi ça sort pas le son? Pourquoi le son ne sort pas? Donc, ça fait déjà 3 éléments. Ensuite, on met le bec sur le bocal. Ce qui arrive de temps en temps, surtout aux débutants, c'est de toucher les clés ici, en bas. Et ce qui se passe, c'est que en général, on ne s'aperçoit pas qu'on touche les clés en bas. Et ça arrive très souvent, d'accord? Donc, vraiment faire attention à la position de l'ange, voir si elle n'est pas trop basse, pas trop haute, hein, vraiment faire attention. Demander conseil, si vraiment tu n'as pas de prof, tu demandes conseil à quelqu'un, évidemment. Et puis, tu peux regarder encore cette vidéo, tu verras, ça t'aidera. Et aussi, donc, faire attention de ne pas toucher ici. Hein. Bon, ce qui peut se passer aussi, allez, je vous en donne un autre, hein, parce que quand même, je ne suis pas aux pièces, comme on dit. Par exemple, on joue à Do, médium. Do, médium, c'est comme ça. Et là, je vais relâcher les commissures. Les commissures, c'est quoi? C'est de chaque côté des lèvres. C'est ça, là. Tu vois, si je relâche. Tu vois, je tiens plus du tout. Je tiens plus du tout. Il faut tenir ton bec. Bien tenir. Alors, ça arrive assez souvent aussi, ça. Hein. Donc voilà, j'aurais pu mettre comme titre les 5 grandes erreurs des débutants au saxophone. Mais bon, voilà. En tout cas, moi je te dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner. Et puis, on se retrouve très bientôt.